Bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paper Please, l'épisode numéro 11. Ça fait plaisir que vous soyez toujours en ma compagnie pour vous accompagner aujourd'hui lors de ce Let's Play qui, ben je vous rappelle, a franchi la barre des 10 épisodes. Donc c'est plutôt pas mal et on reprend le 22 décembre. C'est le 22 décembre. Le 22e jour. On commence pas le 1er décembre, donc ça marche pas pareil. Ok, bah c'est parti. Je vais juste mettre mon chrono en route, parce que, comme d'habitude, sinon je vais oublier. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire même avant de commencer l'épisode, ce serait un peu moins chelou. En attendant, voilà, massacre un autopreste aux frontières de Grestin, vous vous souvenez, lors du dernier épisode. Et je vais pouvoir appuyer sur aller au travail. Alors, 14 décembre 1982. Criminel recherché, rien de plus que d'habitude. Oh, c'est bon, c'est pas le. J'ai combattu en Colichi pendant 5 ans. Si vous trouverez que ça craint d'Artaska, c'est 10 fois pire en Colichi. Je ne peux pas le reprocher de chercher à venir ici. Enfin bref, vous faites du bon boulot, continuez comme ça. Bah, ravi d'apprendre. Alors, papier s'il vous plaît. Altan, faut pas que je confisque Altan, hein. Je me rappelais, non, c'est bon. Alors, Grestin Est, c'est bon, t'as pas la même gueule là et là. Alors que tu m'expliques pourquoi. Et on va vérifier ça scientifiquement. Bon, alors en attendant, Grestin Est, ok, c'est bon, 74 kg, 169 cm, ça m'a l'air d'être bon. Eric Jensen. Ok, c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, le monsieur. Donc, Altan, Artatska, donc ça c'est bon. Il a pas l'air d'être recherché. Ça c'est bien la même tête, hein, c'est bon. Parfait, bah écoutez, on va pouvoir accepter le monsieur. Il m'a l'air d'être en règle, de pas avoir de soucis particuliers. Donc, on va pouvoir le laisser rentrer chez lui. Allez, c'est parti au suivant donc. Alors, une madame, tiens, un papier s'il vous plaît, paper please, tac. 60 kilos, donc ça c'est bon, durée du séjour, elle est en transit, 12 semaines. 60 kilos, donc ça j'ai dit que c'était bon, 171 cheveux courts, 21-12, ça c'est pas expiré, donc ça c'est bien. Il faut pas des... Non, c'est bon. Grestin Ouest en Colichi, donc féminine, tout ce qu'il faut. C'est pas cette dame là, hein. D'accord, je pense pas, mais voilà. Visite, elle a dit donc pendant 12 semaines, ça fait 3 mois. Ok, Zotobo, Stéphanie. Sinon, le reste a l'air d'être bon, donc encore une fois, on va pouvoir la laisser passer cette dame. Elle a pas l'air d'en vouloir à la nation, enfin, c'est ce que j'espère. En tout cas, moi je suis là pour gagner mon pain, hein, parce que. Oh putain, mauvais effet automatif. Oh là là, j'ai pas fait gaffe. Vous devez vous arracher les cheveux. Ah oui, laser sticker, ok. Je te le redonne. 161. Ok, tiens, pas de problème. Ok, paradis, non, sinon ça a l'air d'être bon. J'ai pas regardé 178 cm, c'est bon. Même date de naissance. Fardesto, ça existe. Hein. Fardesto, je crois. Ouais, c'est bon. On va pouvoir le laisser passer, ce monsieur aussi. Tout est en règle. Ah, pas de problème. Allez, au suivant. Papier, s'il vous plaît, quel est le motif de votre voyage? Tu viens vivre avec ton mari, donc 42 kg, 160 cm. Ça a l'air de correspondre. Ok, Yoni Crocker, c'est parfait, féminin. Donc Boston en République, ça existe. Et ça expire en 84, ça c'est bon. Elle a le bon code. Ça ressemble pas à cette dame. Non, ça ressemble pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Elle a tout ce qu'il faut. On va pouvoir passer au suivant. Alors,
Voilà, paper, please. Tac. Hop, on va faire passer les choses comme ça, voilà, en priorité. Durée du séjour, 30 jours. Ok, très bien. Coupe au bol, 100 kilos, 200 centimètres. T'as un petit sou... T'es grand et t'es gros. Mais là, il y a un problème. Parce que t'es quand même pas si grand que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va te filer ça. Tac, 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 tac. Ok. Anomalie. C'est parfait. On va pouvoir t'arrêter, mon poteau. T'avais plein de papiers en plus, ça m'arrange, ça m'arrange. Ça me fait moins de boulot, ça fait plaisir. J'ai même envie de te dire. Donc, allez, quelqu'un d'autre qui a encore ses papiers falsifiés, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'attends que ça. Ah, c'est Georgie, ça. Oh, c'est Georgie, c'est Georgie. Il est pas recherché, Georgie. Ah, ok. Ah, ok. T'as grossi. Ah, bah oui. Vous vous souvenez déjà, pour ceux qui suivent, la dernière fois, il avait. Il avait. Bah, il avait des. Comment? Il a de la contrebande, donc je pense que ça va se refaire pareil là. Georgie, ça ne doit pas être très aléatoire. Regardez. Ouais, il a de la contrebande, il a la contrebande le Georgie, forcément. J'ai quelqu'un qui est passé qui m'a dit en fait, t'aurais juste eu à reprendre la dernière journée. Parce que. Alors attendez, une arme des contrebandes, voilà, c'est ça que je cherche. Parce qu'elle était passée, la chaée, elle était passée à ce moment-là. Merde, c'est vrai. J'ai revisionné l'épisode, il avait raison. Mais voilà, j'allais pas m'amuser, vous comprenez, à regarder tous les épisodes, à voir tous les noms. Je préférais recommencer depuis là, ça coûte un épisode de plus, c'est pas la mort. Et certains d'entre vous, voilà, aiment regarder, donc voilà, l'avantage du jeu, c'est que ce n'est jamais tout le temps pareil. Il y a des petits, voilà, des petits trucs qu'on retrouve, mais ça change rien. Final. Au 173, donc elle a dit qu'elle venait pourquoi elle? 2 semaines rendre visite à ses proches, ok. Ok, Corista City. Corista City, ça existe, c'est pas Coriska City? Non, c'est Corista City, c'est bien ça. Ok, féminin, donc ça c'est bon, le bon truc. Alors, Macarevatanel. Ok. Ok. Elle a l'air de tout avoir bon pour le coup. Tac. On va la laisser passer. Pas l'air d'avoir de problème particulier. Donc on va pouvoir lui laisser lui ouvrir la porte. Pour l'art, ce qu'il y a en tout attendant cette dame-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a un passe diplomatique. Elle s'appelle Pachae. Hélène Persine. Great Rapide. C'est Port de Bristan, Great Rapide. Merde. Et là, elle a un petit problème, là, madame. Donc, moi, ça m'arrange, encore une fois, je vous le dis. Donc, lui, il me file de la thune, c'est bien, tout à l'heure. C'est bien, ça va renflouer un peu les caisses. Ça fait pas de mal. Attendons, faut qu'on fasse notre quota, là, pour rentabiliser notre journée. Toi, t'es recherché. Donc, voilà, comme ça, c'est fait. Parfait. Parfait, parfait. Ça me fait augmenter mon quota. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, go, 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 go. On enchaîne. Ça va plus vite. Ok, lui, il est pas recherché. Motif de votre voyage. T'as l'intention de travailler. Très bien. Tu prévois de rester 1 an. Ça me va. Alors, on va regarder ça. Déjà, Azem. Non, il n'a pas le même nom là. S'appelle comment là? Avri. Nazembe, ouais, c'est bon. C'est bon, il y a le bon alias. Ça passe pour lui. Alors 80 kg, 179 cm. Lui, il a de la paperasse, lui. Hein. Donc ça, c'est bon. Santé, parfait. Saint-Marméro, en intégrie, c'est bon. C'est pas périmé, donc ça va aussi. Il a le bon numéro, il a tout ce qu'il faut, j'ai l'impression. Donc on va pouvoir le laisser passer, ce monsieur. On va pouvoir le laisser passer. Hop. Hop, hop, et hop. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Passez le main, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Jolie petite journée, bien remplie, pas trop de problèmes. On a fait passer du monde. On a fait passer 10 personnes, c'est un peu juste quand même.
Alors du coup, voilà, il y a les économies de la sœur qu'on a déjà eues la dernière fois, donc on va pouvoir déménager en classe 7. Donc là, ça va être un peu rebolote. Donc là, vous vous souvenez, le risque de polio. Donc là, on est au 15 décembre 82. Donc, ok. Bon, allez, c'est parti. Pas de restrictions supplémentaires. Donc, ça va être une journée un petit peu banale. Le motif de votre voyage, je ne fais que passer, d'accord. 4 heures à 2 jours, ok. 83 kilos, 184 cm, boule à zéro. Alors, ça, il y a un problème, monsieur. Vous ne correspondez pas à la description. Alors, on va te demander tes empreintes. Voilà. Attends, là, le reste a l'air de venir. Il y a un problème, hein. Il y a un problème, monsieur. Allez, t'as falsifié tes papiers. Ou tu les as piqués à quelqu'un, je sais pas. Allez, au suivant. Ça commence bien. Ça, c'est l'ordre. Ok, donc ça, on s'en fout. Moi, je veux pas travailler avec l'ordre. Pas pour le moment. Je veux bien faire des petites actions qui ne sont pas susceptibles de me faire sauter mon poste. Mais ma famille avant tout, Orvège Vonor, donc en Artotska. 55 kg, 1,81, ça c'est parfait. Windblad Oula, donc ça c'est parfait aussi. Féminin, Orvège Vonor. Il y a un truc par contre qui me fait tiquer bizarre. Et est-ce que ce serait pas toi? Ça a l'air d'être beaucoup quand même. Eh, encore quelqu'un qui a chouré les papiers à quelqu'un. Allez, bah c'est parti, c'est parti. Moi, ça m'arrange. Allez, au suivant. Ça va bien plus vite comme ça. Et ça m'arrange. Ça m'arrange. Ok, alors, cette dame, Bialkowska Anna. Féminin, Boston, en République. Ça m'a l'air d'être bien tout ça. Mon 84, donc ça c'est bon, c'est pas périmé. Elle a dit qu'elle venait pourquoi? Elle venait vivre avec son mari. Donc indéterminé la durée, 56 kg, 156 cm. Donc ça, on a dit que c'était bon, cheveux bouclés et tout au bol. Elle a la bonne date, oui. Elle a pas sa tête là. Je vais laisser passer cette madame. Elle a ses papiers en règle. Voilà. À partir de maintenant, faut que je fasse gaffe à Chahé, quand même. Faut pas que je refuse n'importe qui. Travailler. Durée du séjour, 1 an. Très bien. 86 kg, 181 cm, 26, 12, 82, cheveux courts et clairs, c'est très bien. Attila Skotsk, Zok, pardon. Plus un truc comme ça. Donc ça c'est parfait, ça c'est parfait, a-t-il travail 1 an, hein. Ouais, c'est ça. Glorien en intégrie, c'est parfait, on va pouvoir le laisser passer, ce monsieur, ça a l'air d'être en règle également, écoutez, j'ai rien à redire, donc, peut-être qu'on va se prendre une réprimande, et ouais. D'avis d'expiration invalide, merde. Tant pis. Mince. Immigration. 82 kg, 166 cm, cheveux foncés, 18-12, 82 tâches chaud, mais ça passe. Daniel, masculin, Yurko, en Kolechi, c'est parfait. Ça c'est bon. Marius, tu n'as pas le même nom là. Regardez ça. Regardez, c'est un alias. Surtout pas nous. T'as aucun alias connu, mon coco. T'as aucun alias connu. C'est ça le problème. Allez. C'est parti, on y va. Allez, faut que tu y ailles, là, à fond. Allez, au suivant. C'est parti. Alors, la madame, papier, s'il vous plaît. Orvège Vonor, en Artotska, c'est bien. Ça rentre. T'as pas la même tête du tout, là et là.
Faudra m'expliquer. Bah non, je dirais qu'elles t'ont pas épargné, t'avais l'air d'être un peu plus bouboule. Eina Hayat, ok. Données conformes, très bien. Très bien, très bien. J'ai rien à redire. Donc ça c'est bon, on a dit. La bonne date de naissance, oui, Vosenfield, ça existe. Yateliana, ça, le reste a l'air de concorder, donc on va pouvoir la laisser passer, la madame. Donc, gloire à l'Artotska. Papier, s'il vous plaît. T'as l'intention de travailler. Oh, il y a quelqu'un qui s'enfuit. Quelqu'un s'enfuit. Voilà, ça c'est fait. J'aurais pu tuer cette personne aussi, mais je ne veux pas. Bon, on n'a pas gagné beaucoup de sous, hein, mais on va pas manger. Donc ça va. Gros connard de base, le mur tiendra-t-il? La sécurité à la frontière, encore une fois, remise en cause. Donc on va faire une troisième journée pour avancer, comme ça on avance bien, bien, bien. C'est peut-être bien cette journée, là, que Chahé va se ramener. Ok, il y a un tiroir spécial. Ok, il faut confisquer les citoyens Artox, Visry Daltan. Ouais. Ok. Ça, vous vous souvenez. Ça, c'est Georgie. Il n'est pas intérêt à arriver. Sinon, il va retourner en tôle. Moi, je vous le dis. Moi, je laisse pas passer. Même si c'est Georgie, je le laisse pas passer. Je le laisse pas passer. 176 cm. Non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai rien dit. 35 kg, je me nord, Ortoska, t'as la bonne gueule. T'as pas l'air d'être recherché. C'est bon, par contre, tu es du district d'Altan, donc je vais te confisquer ton passeport. Allez, c'est parti. Allez, contact, contact. Bon, bah ça m'arrange, allez. Ça prend de la thune en plus, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, si, dépêche-toi, là, boude pas, bon, bronche pas, là. Tu vas te prendre un truc dans la gueule. C'est dommage, c'est dommage. Boum, voilà. Allez, au suivant. On perd pas de temps, nous. On perd pas de temps. On peut pas se permettre. Papier, s'il vous plaît, le motif de notre voyage, tu ne fais que visiter. 30 jours. 57 kilos, 172. Coupe au bol. C'est coupe au bol, ça? Oui. Oui, c'est coupe au bol. Donc, ça, c'est bon. Enkyo, un import, ça existe. Ça, c'est parfait. Visite, un mois. C'est ce qu'elle a dit. Par contre, ça n'a pas le même nom. On va voir si elle a un alias. On va lui demander tout de suite ses empreintes. Ah, il y a toujours plus de gens qui changent de nom, hein, c'est bizarre. Très bien. T'as les bons alias, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Bon, on va pouvoir la laisser passer, cette dame. Ça m'a l'air d'être bon, j'espère pas avoir fait de conneries, c'est bon, ça passe. Alors. C'est pas chahé. Védor en Koléchi, Washington, Cheza, Artotska. Védor s'est mis en Koléchi, hein. Je vais vérifier. Je me méfie avec ces diplomates. Ok, on va pouvoir la laisser passer cette dame. Oh, il y a Lord Kia là. Ils vont me dire c'est pas bien, t'as pas tué. Tu dois modifier tes plans, c'est très bien. Allez au suivant. Alors, bonjour madame, papier s'il vous plaît. Le motif de votre voyage, tu immigres en Artotska. Très bien. 20, 12, 82, 71, ça c'est bon. Ok.
Ok. Elle a dit immigration? Ouais. Ok. Red Alexei, ok. Pour laisser passer cette dame aussi. Ça m'a tout l'air d'être correct. Allez, au suivant. Au suivant. Papier, s'il vous plaît. Grestin Est, donc en Artotska, c'est bon. Ok. Ok, 72 kilos. Altan, je vais te confisquer ton passeport dès que j'ai fini de le vérifier, c'est bon. Ok, parfait. Blablabla, contacte le numéro. Allez. Bien le bonjour. Ok, 14 jours, rendre visite à des amis. 75 kilos, 173 cm. Jusque-là, ça va. Pas trop de problèmes. Et la vie vitale. Elle a le bon code. Donc, visite 14 jours. C'est bien ce qu'elle nous a dit. Sexe de sexe féminin, donc c'est bon aussi. Et les dagues, c'est pas périmé, c'est pas périmé, donc on va pouvoir laisser partir. Ok, oui, excusez-moi, on m'a appelé, pas de problème, hop. Nickel. Ah mince, je me suis trompé. Je me suis trompé. Sauf que non, si, il t'a recherché, Georgie. Georgie! Mais je suis désolé. Oui, bah tu connais tout le monde, voilà, tu vas pouvoir parler de. Content que je vende la drogue. Ah, il me fera toujours rire ce Georgie, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Motif de votre voyage. Accorder l'asile. Donc tu vas avoir droit à tes petites empreintes. T'as pas du tout la même gueule. Annikov Alexander. T'as pas la même gueule du tout, toi. Hein. Anomalie clarifiée. Ah bah oui, je suis con. Je suis con. Ça correspond. Ouais, c'est bon. Anomalie clarifiée. Tsukendo en apport, ça existe. 63 kilos, 165 cm. Naissance, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un anniversaire, c'est demain. Tiens, dans le jeu. parfait, 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 parfait. Ça m'a l'air d'être bon pour ce monsieur. Donc on va pouvoir le laisser passer. Écoutez, il veut le droit d'asile, donc on lui accorde. Espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Ça a l'air d'être bon. C'est passé. Lui il ressemble à Johnny Depp. Donc on va pas lui confisquer sa carte parce qu'il vient de faire des stows. Mais c'est masculin, ok, ça c'est bon, 68 kilos, 177 cm, Dragunov, Pirov, ok, il a bien la même tête sur les deux trucs, il a une tête de terroriste ce mec. C'est pas, je veux pas te préjuger ou quoi que ce soit, mais un petit peu là quand même. Ta gueule, perturbé, on l'a laissé passer. Bon, alors, motif de travail, travail. Alors, pour le travail, il va te manquer un permis de travail, tout simplement. Donc, c'est là-dedans. Et c'est permis de travail, autorisation de travail. Voilà. Ah, pardon, putain, je l'avais pas vu. Ok. Ah, autant pour moi. C'est pas ça qui lui manque alors, c'est le. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Allez, c'est parti au suivant. On va finir cette journée, puis on va se quitter là-dessus. Ça fera un épisode un peu plus long, mais voilà, c'est pour, ça fait passer des choses un peu plus vite, c'est bien. Ça permet d'accélérer un petit peu le rythme, étant donné que voilà, comme on a refait. Genistora. Est-ce que ça existe? Ouais. 67 kilos, t'as grossi toi. Est-ce que tu t'aurais pas de la drogue sur toi? Je me prépare. Sinon le reste a l'air d'être bon.
reste a l'air d'être bon. Ok. Tchou. Allez, bon petit séjour en prison, ça fait du bien pour finir la journée, vous voyez. C'est pas désagréable, c'est pas désagréable. Bon, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ça m'a fait très plaisir d'être en votre compagnie. N'oubliez pas les épisodes tous les jours pendant les vacances, voilà. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est bon. Et on va pouvoir tout simplement faire nos petites affaires tranquillement et attendre Shae. Donc voilà, l'épidémie fait rage en Fédération Juni. Donc Shae, ce sera pour le prochain épisode, les amis. On la laissera passer, cette fois on l'oubliera pas. Là. Elle est pas passée. Donc va falloir qu'on se concentre, que je me concentre un peu plus lors du prochain épisode. Et voilà, sinon continue notre petite vie. Vous voyez qu'il y a quand même eu différentes choses qui ne sont pas passées pareil que lors des trois derniers épisodes. Il y a eu des changements. C'est un scénario qui est assez aléatoire, qui peut être carrément changé, diverses choses qui peuvent intervenir. Et pour tout vous dire, ça va même recréer une sauvegarde. Parce que ça veut bien dire que voilà, il y a eu des choses qui se sont rajoutées. Donc pour les frustrés, vous n'avez pas à l'être parce que ça change, c'est pas du tout pareil. Même si le scénario général reste le même, vous chahez et la laissez passer. Elle est toujours pas là et il y a eu de nouvelles choses, il s'est passé de nouvelles choses. Donc voilà, en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. Sinon, dans 3 jours, pour un nouvel épisode de Paper Please. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci à tous, ciao, bye bye. D'accueil parce que ça fait plus d'un an maintenant que j'ai entamé ce site en vidéo et en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir recommencer avec vous et tout de suite on va cliquer sur jouer et on va